idiote. Je ne suis pas ta camarade. Le bon de boss, c'est pas ta camarade. C'est un Français. Il a tout ici. Ses parents sont en Europe et sa mère en Europe ici. Ok? D'accord? Sa mère qui l'envoie en Europe. Ok? T'as compris? Chienne là. Idiote. Tu as rien, mon gars de jeunesse de depuis 2000. Comment on fait ça? 2012. Pour dire que moi, il paye garçon. C'est mon gars de jeunesse. On s'est mis ensemble. On était ensemble. Après, on s'est séparés. Chacun a pris son chemin. Il allait faire enfant là-bas. Moi, je suis parti me marier. Après, là, on a vu qu'on n'est pas heureux où on est là-bas. On est revenus ensemble. Où est le problème? Où est le problème? Dis-moi un peu, où est le problème? Ça veut dire, tu n'as jamais eu d'homme qui t'a aimé comme ça. Quelqu'un qui t'a connu depuis fou longtemps. Depuis 2012. On était ensemble. On s'est séparés. Il allait faire enfant. Sa fille, là, il est pire comme mon enfant. Tu vas voir, quand on va aménager, tu vas voir sa fille. Quand on va aménager, tu vas voir sa fille avec moi. C'est mon enfant. Lui et moi, on a un seul enfant ensemble, mais puis c'est fini. Ça te fait mal. Va reprendre tes ex aussi. Tu vas regarder cette relation pour dire oui, elle paye garçon. Non, 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 non. Non, non, non. Ma chérie, la dernière fois, il a fait la vie, non. Sur Facebook, non. Les gens lui ont posé la question, il a répondu non. Voilà. On était ensemble à Babi. Hey. Lui, il était à Bordeaux, moi, il était à André. C'est là-bas, il a vu le petit, mais il m'a plu. Il est mougou le même jour de notre rendez-vous. Ça chauffe pas. Je l'ai mougou le même jour de notre rendez-vous, ça chauffe pas. Moi, quand il y a un garçon, parce qu'il a les fesses plates, bien mince. Petit, c'est une fois, bon bagarre en bas. Mais quand il a vu là, il a calculé, il dit, ah, garçon qui a fesses plates là, il a bon bagarre en bas de lui. Et moi, j'aime les bangalas. Les vrais bangalas qui vont me secouer. Parce que j'aime jouir. C'est comme ça, il m'a trouvé. Dans mon travail, j'étais caissière dans un maquis. Et puis, il m'a trouvé là-bas. On a causé. On s'est échangé les numéros. Et puis, après, il m'a appelé. Premier lieu de rendez-vous, je l'ai appelé. 7 coups. Ça n'a pas chauffé. Oui. Premier jour de rendez-vous, là. Je l'ai. Ma chérie, il faut m'écouter. Si tu aimes un gars, il faut le m'appeler. Les gens qui ont dit non, premier jour, hein, premier jour, t'es pas pour pute, même bordel. Ou bien, quand il fait ça, il va faire mougoupan, c'est faux. Tu as tourné un garçon pendant des années, là. Si tu as fait ton mougoupan, c'est fini. Et puis, c'est quand même tu le tournes, là. Que après là, quand il te m'appelle une fois, il vient plus encore. 7 coups, je n'ai pas dit 5 coups, il y a 7 coups. Hi. On s'est vu dans la journée à 11h, on allait manger. Vous connaissez depuis vers 2h25 là. Il y a des maquis là, les restaurants qui sont là. On s'est assis, on a mangé bien. Béé, tu prends quoi? Béé, il dit bon, donne-moi une Guinness là-bas. Avant, je buvais Guinness, hein. Il y a eu une Guinness, il y a eu un petit poki là pour rincer ma gorge. Il a dit, non, il y a eu un petit poki pour rincer ma gorge. Il dit, ok. Il a pris mon poki, il a mis sa castelle, on a mangé. J'ai mangé légèrement. Parce que, si il mange trop là, il ne serait pas en forme pour faire le mouvement. Et puis si il mange trop, il n'y a pas de bébé ma gueule. Il est comme ça, assis, il a mon poki tranquille. Il dit, bébé, bon, on a fini de manger, je vais te montrer ma maison. Moi, on me dit que ça m'appelle là-bas. Non, bébé. On a fini de manger. Est-ce qu'on peut aller chez moi à la maison? J'ai jamais changé, puis on sortit. Il dit, ok, vas-y, allons-y. Pas de problème. C'est comme ça qu'on allait chez lui à la maison. Il avait sa maman payait pour lui son studio. Il avait un appartement, une chambre salon. Voilà. Il était sa petite soeur. C'est comme ça que, hein, quand on est arrivé, il fait les trucs. Je l'ai récupéré, je l'ai m'appelé. Paille! D'un coup. D'un coup, propre. On se lavait bien. Et puis on allait dans un maquis. Il dit, bois quoi? Et donc, on continue à poquer. Lui, il veut ses castels. Moi, il veut mes poquis. Il a bu moi 5 poquis. Propre. Quand il veut boire mes 5 poquis, on est arrivé à la maison. Il a ma pro 5 coups. On n'a pas dormi la nuit. Hey, il a ma pro 5 coups. Au total, 7 coups dans la journée. Il a baisé comme une fille guérée. En ce temps-là, il était énergétique. Il était encore jeune. Tu peux moi. Il a ma pro comme une fille guérée, ma pro un homme. Il a baisé le petit, ce n'est pas propre. Il a fini cette cour là, il s'est rentré à la maison. Le lendemain, tu es où? À plat. Mes doigts sont là, voilà mes doigts. Voilà mes doigts en quoi? Mes doigts en quoi? Hein? Il m'a appelé. C'est fini, c'est quoi, c'est parti. Ça n'a pas chauffé. 2012, jusqu'au jour ensemble. Oh. Il a m'appelé comme une figurée. Il s'en va, il s'en va, la fille. Quand il rêve, il dit, ah, la figurée, mais m'appelle bien. Mais... Ça veut dire, maintenant, il y a
J'ai fait un peu. Tu n'as avant. Il y a le pilonnet comme ça. Hadjigui. Hadjigui. Je ne paye pas, hein. Il y a la mougou. Ma chérie, il va changer encore. Il y a la mougou. Aïe, tu vois qu'il m'amuse, je m'amuse. Aïe. Fallait sur ma page Facebook. On lui a posé les questions. C'est pas blanc. Il y a la mougou. C'est comme ça. Après, ça n'a pas duré. Et puis, un an après, et puis il est venu en France. C'est quand il est venu en France que nos problèmes ont commencé. Vous savez que quand il y a la distance là, c'est trop. Il est venu en France ici. Il a pris esprit de white là. Il s'est pris en français. Je ne reconnais plus mon gars. Ah, face. Seigneur Jésus. Je te jure sur la vie de mon fils. Nina, je te jure sur la vie de mon fils. Je te jure sur mon travail. Et je te jure sur la voiture que je conduis. Je ne m'amuse pas avec ça. C'est pas amusant. Moi, je ne m'amuse pas comme ça. Je l'ai même pas en 4. Je l'ai même pas en 7 coups. C'est pas blanc. Je l'ai marqué à vie. Je m'amuse pas. C'est comme ça qu'il est venu en Europe. Quand il est arrivé en Europe ici, là, il a commencé à être sous des Whitey. Vous pensez un peu. Être sous des Whitey. Il est là ici. Le gars, si, en fait, en ce temps, dans le temps, il y avait Viber. Qui a connu Viber dans le temps? Viber. Il n'y avait pas WhatsApp, il y avait Viber dans le temps avant. Les vidéos là. Viber. Qui a connu Viber? Avant, en 2013, 2012, 2013. Parce qu'il est venu en France en 2013. Qui a connu Viber? Il y avait Viber dans le temps avant. Donc c'est comme ça qu'on s'appelait sur Viber. On fait les love sur Viber. On fait les deux sur Viber. Après, il est bizarre. Il est là, il a le comportement de Whitey. J'ai dit lui là, est-ce qu'il me connaît? Ah, voilà. Pour ceux qui ont connu Viber dans le temps, vont me dire, ah, ça, tu m'en vas. On connaît sur Viber avant. Il n'y avait pas WhatsApp, tout ça. C'était Viber. En 2013, là. C'était sur Viber. Et il est là, il a le comportement bête. Je ne comprends rien. Il est high. Peut-être que s'il allait en Europe ici, il veut faire façon d'une manière. Ok. Tu ne me connais pas encore. J'ai repris mon avenir entre mes mains. Il est venu en Côte d'Ivoire. On s'est disputé. En 2015, il est revenu en Côte d'Ivoire. On s'est disputé. Voilà, on s'est disputé. Moi, je ne vous mens pas. Et c'est comme ça que on s'est. Parce que moi, j'ai gros cas en fait. Moi, je suis une femme de principe et imposante. Voilà. Et c'est comme ça que chacun a pris son chemin. C'est comme ça qu'elle m'a dit mon. Puis pas où? J'ai marié mon. J'étais en train de faire mes. Je vais vous expliquer, hein. J'étais en train de faire moi mes préparatifs. En 2018, là, je faisais moi mes préparatifs au Maroc pour mon mariage. Il m'appelle. Et puis, il n'est pas bon, hein. Quand il voit que je suis dans une relation, j'étais dans une relation avec un Camerounais au Maroc là-bas. Quand il a vu là, il s'est fâché un coup. Tu fais quoi lui là? Il dit, mais est-ce qu'on est ensemble? Il dit, tu vas faire. Il dit, tu es malade? Il gâte mes relations. Oui. C'est-à-dire, quand il voit que je suis en relation, quand j'affiche sur Facebook, quand il voit que je suis avec quelqu'un là, quand je mets mes photos sur Facebook, il vient, il gâte tout. Et puis, on est ensemble encore. Donc, quand ça a reçu pour qui par là, je n'ai pas dit. Je n'ai rien dit. Il est malé. Il est là, il me dit, mais je veux qu'on reprenne ensemble. En fait, tout ensemble, je viens au Maroc là pour te voir. On va tout reprendre ensemble. On va faire notre vie ensemble parce que c'est toi la fin de ma vie. Il dit, ah, il dit, oui, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a compris. Un matin, il voit sur Facebook. Il est marié. Il lui fait ça lourd. Je lui ai fait ça lourd, propre. Voilà. J'ai rendu mon coup au calme. Et puis après, on est assis. Dans mon foyer, ça n'allait plus. Lui aussi, où il est parti, il a fait enfance, c'est plus ça. Bon, et puis c'est quelqu'un, il ne s'est jamais marié. Il n'a jamais. En tout cas, il fait ses bêtises. Hein. Il a go ici. Mais pour dire qu'il a pas une femme pour faire foyer à la maison, jamais. Voilà. Il était militaire. Quand je venais en France, il était militaire. Il était dans le camp des militaires. C'est moi, je lui ai dit, quitte le camp des militaires, il faut prendre une maison. Et puis, il a pris maison. C'est moi, je lui ai dit ça. Ça y est, il ne voulait même pas se mettre en foyer, les trucs comme ça. C'est moi. Quand après, il m'a dit, non, prends une maison. Et puis, il a pris une maison. Tu as repris ma chérie. Donc, tilapia. Ce n'est pas avec des paiements. C'est l'amour. Aujourd'hui, on est seul. Chacun est libre. On se reprend au camp. Il a fait un enfant, ce n'est pas un péché. C'est ma fille. Je la récupère comme mon enfant, tranquille. Donc, il faut aller chercher. Ça y est, ça c'est l'histoire de la vie. Va aussi chercher tes ex aussi. Tu fais la même chose. Tu viens t'asseoir pour dire que oui, oui, payé garçon. Non. Moi,
quand je ne suis pas le nouveau gars de ma vie, si lui-là ne fait pas attention, si je le laisse là, je vais prendre autre ex encore. Il a démontré, attendez, je vais vous montrer un de mes ex qui m'a écrit encore, vous allez voir. Un, c'est une fois encore. Il ne sait pas ce qu'il me veut, c'est une fois en fait. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un de mes ex encore. Lui, il avait foyer, lui. Lui. Et c'est mauvais, hein? Chien! Il va foyer à lui, non? Non, ça, ça il explique pas. Ma petite sœur m'a appelé. Il vient. Ibrahim. Attends. De Facebook, il m'a écrit la dernière fois. Attendez, je vais chercher et puis je vais vous montrer le message. Ça a été tellement effrayé, lui, il a oublié son nom de Facebook. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. J'ai l'affiché. J'enlève ça. Je m'en fous, si je l'affiche, je m'en fous. Voilà mon foyer avec qui j'étais au Maroc. Rien à foutre. Ils sont tous beaux, hein. Moi, je suis pas un vilain garçon, moi. Je vais vous montrer où on retourne la caméra. Voilà, retournez. Voilà. Vous voyez. Tu as vu comme il est beau aussi. Je suis là comme ça et puis il m'envoie un message le 30 mars. Il m'envoie notre ancienne photo. Voilà. Notre ancienne photo, hein. Comment vas-tu, Sylvia? Je sais que tu vas bien. Il dit bonjour, Kone, je vais bien. Dieu merci. Un bail, je suis là. La famille va bien, j'espère. Un autre enfant, mon fils, il va bien, je sais. Je sais qu'il est devenu grand. J'ai commencé à rire. Il dit, j'ai un seul enfant, hein. J'ai pas encore eu nouveau. Excuse-moi, c'est juste une erreur de phrase. C'est pas de ma faute, c'est carême là, non. Voilà. En masse. Voilà. Un de mes ex qui me donne une photo que moi, j'ai pas gardée. Tu vois? Donc, celui-là, par exemple, là, quand j'allais le récupérer, là, tu as dit que je le paye. Tu as dit que je le paye. Non, c'est pas un nouveau, c'est mon ex. Lui, il a fait foyer à lui, au Maroc. La photo, là, on était au Maroc. Et puis, il m'a envoyé ça. Si, il est très beau. Attends, je te le montre. Il est beau. Il est beau, ma chérie. Voilà. Regarde-le, il est très beau. Voilà, il est très beau. Ma chérie, tu mens. Regarde-le bien, le voilà. Il est très beau, ma chérie. Tu mens. T'as vu, non? Je ne sors pas un zèbre, blablabla. Le voilà qui est là, très beau garçon. Voilà. Le voilà. Le voilà. Regarde bien quand il n'est pas beau. Chienne, là, on a dit que c'est un zèbre, blablabla. Voilà. Donc, quand lui, là, il allait le récupérer, là. Quand je vais aller le récupérer, t'as dit qu'il est payé. Moi, là, mon coin est doux. Mon coin est doux. Il voit, hein, et puis il revient dans ma vie. Et puis en 2023, il revient à notre photo. Il garde nos photos. Moi, je n'ai plus la photo là. Et puis il garde. Et puis il me dit, ben regarde encore. Ça y est, il me fait encore la cour. Il veut que je me souvienne pour le récupérer encore. On t'a pas aimé dans ta vie. Si c'est S là, j'en ai. Il a te montré encore mon S que j'ai laissé. Et puis qui dit qu'il veut pas de mon amitié. Lui, il veut que je sois lui. Attends, il te montre encore. Lui, il fait foyer lui. Là, là, il n'explique pas pour lui là. Mais on a fait foyer ensemble.
Mes ex m'écrivent toujours. Lui, là, c'est mon ex. Tu as vu, non? Là, là, il m'a écrit pour me dire, ah, c'est en avril. Ma maman est décédée. Bonsoir, madame. Bonsoir, allez. Toutes mes condoléances. Tu vois un peu? Je vais retourner pour que tu puisses voir notre conversation. Oui, il m'a dit que si c'est pas game de ma ploli, là, c'est que lui, il veut pas, là. Attends. Sylvia, hein? Pourquoi c'est tout ex? Les nouveaux, quel nouveau? Tu penses que mon con est là pour épapier au nouveau? Moi, je suis mariée, c'est mon passé qui est là, ma chérie. C'est mon passé. Quel nouveau? Des fois, quoi est nouveau? Nouveau, quel nouveau de Facebook, et puis ils vont écarter mon corps. Nouveau gars, peut-être que c'est un de vos abonnés, il va prendre mon compte, me filmer, puis il va me s'interroger, et puis vous allez vous moquer de moi. Et c'est pas dedans. Vous êtes stupide, hein? Oui, c'est pour vous dire que mes ex sont toujours avec moi. Ne souffre. Pourquoi vous souffrez, en fait? Je vous montre mes ex, vous voulez nouveau. Pourquoi vous voulez nouveau, en fait? Je n'aime pas de nouveau de ma vie, en fait. J'ai déjà ce qui est mieux pour moi. Le beau de beau, il me va. C'est l'essentiel. D'accord? Le beau de beau me va, c'est l'essentiel. Je ne cherche pas de nouveau. Il faut aller récupérer les nouveaux, puis va avec eux, on voit. Imbécile là. C'est ta mère qui est Djandjou, ma petite. Ta mère qui est Djandjou. Ok? Voilà. Je vais te montrer, non? Et puis tu vas aller faire ton live avec ça. Tu comprends un peu? Parce que tu n'as pas. C'est, si on dit, ah, montre un S, tu n'as pas eu. Même un, tu n'as pas eu. Un homme, tu n'as pas eu, ma chérie. Attends. Oh, les messages sont effacés. Problème trop. Voilà. Je t'ai montré. Voilà. Et ici. C'est pas moi. Oh. Toi, t'es fâché contre moi quand je dis on n'a qu'à rester amis. Bah oui, parce que je voulais mieux que ça. Je valais mieux que ça. Et n'oublie pas aussi qu'on avait des... Mon yin est doux. Je l'ai mougou bien. Mon yin est doux et je l'ai mougou bien. Voilà. Toi, tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Et puis tu parles d'enfants des ex des gens. L'un se retourne à les ex. Quand lui est payé gazon. Est payé gazon. Viens. Va t'occuper de ton serpent. Va tirer les membres de ton serpent pour qu'il puisse s'asseoir. Tu comprends? Ils m'ont jamais boué, ma chérie. Ils m'ont jamais boué. C'est moi qui suis partie. Garçon ne m'a jamais dit merde. S'ils m'avaient boué là, ils n'allaient pas revenir. Ils m'ont jamais boué. C'est moi qui suis partie. Faut te renseigner. C'est moi qui suis partie. Et celui que tu appelles handicapé là, je suis quitté chez eux hier. Yeah. Vous ne savez rien de ma vie en fait. Lui que vous appelez handicapé là, je suis quitté là-bas hier. S'il fait comme ça, il va revenir. S'il fait comme ça, il va revenir. Je suis arrivée à un stade de ma vie où je me cherche. Où je me construis, où c'est moi qui compte, c'est moi d'abord et rien d'autre. Vos comportements où vous ne réfléchissez pas, puis vous mettez vos cons en l'air, puis on joue dedans. Là. Moi, il y a beaucoup dans la tête, c'est moi qui commande sexuellement. Sur mon côté sexuel, c'est moi qui commande. D'accord? Donc celui que vous appelez handicapé d'après vous là, s'il fait comme ça, il va revenir.
était hier chez sa maman. Mm-hmm. Ce collier que je porte là, sa mère qui me l'a donné. T'as compris? Mm-hmm. C'est quelqu'un avec qui je ne suis plus. Et puis sa mère me donne cadeau. Ça va dans votre tête un peu. Vous ne réfléchissez pas un peu. Il y a cette grâce là. C'est dans notre famille. Cette grâce où on fait malin sur le garçon. On a ça dans notre famille. Ma grand-sœur, j'ai une grand-sœur, elle est décédée. Elle là. Elle est assise et puis le garçon coule là, on suit elle. Garçon coule. Elle est assise. Hein. Elle va colorer. Mais le garçon pleure à ses pieds. On a ça dans notre famille. Le garçon ne fait pas malin sur nous. Donc c'est pas eux qui partent, c'est moi je pars. Voilà pourquoi ils reviennent toujours. C'est moi qui ne veux plus. Parce que ça ne me plaît plus. Voilà. C'est moi qui ne veux plus. Voilà pourquoi ils reviennent toujours. Voilà pourquoi quand il dit, ah, on a qu'à s'amitié, ah, je ne veux pas amitié. Il y a mon goût ton con là, c'est doux. Voilà. Et je choisis qui je veux. D'accord? Soyez des femmes qui choisissent l'homme que vous voulez. Et non des hommes que vous prenez parce que vous êtes fin. Ok? Prenez des hommes que vous voulez. Il faut arriver à un certain moment de votre vie de choisir l'homme que vous voulez. Et non des femmes qui ont faim. Ou elles sont obligées de partir vers du n'importe quoi parce qu'elles ont faim. Mais pas faim. Je choisis les hommes que je veux depuis longtemps. Pourtant, certains parmi vous ici qui m'insultez là, vous partez vers les hommes parce que vous avez faim, vous n'avez pas le choix. Moi, j'ai le choix. C'est ça qu'on appelle avoir le choix. Avoir le choix. J'ai... l'homme que je veux. Ça ne choque pas. Donc, Titi, tu veux un peu? Bref. Tu n'as pas les papas sur moi. Je pense que je t'ai donné quand même des éléments. Tu vas prendre un peu pour t'enjailler un peu. De mentir un peu, de prendre et puis de modifier la vérité pour te faire plaisir parce que tu dois travailler pour moi. Voilà. Tu as dit que j'étais ton chant, non? Tu vois? Cela veut dire que j'ai de la valeur. Ouais. Parce qu'un chant, c'est un espace qui est rempli de beaucoup de trucs et on laboure. On laboure ça pour produire quelque chose, pour avoir quelque chose, pour se nourrir. Parce qu'un champ, ça nourrit. Donc, si moi, je suis ton champ, cela veut dire que je serai celle-là qui va te nourrir. À travers moi, en parlant de moi, tu vas pouvoir manger. En parlant de moi, tu vas déposer ta calebasse de Alaka Diamant. Tu vois le truc ou pas? J'ai une valeur à tes yeux. Parce que tu n'es pas un champ pour moi. Tu es de la merde. Tu es une serpillère. Tu n'es jamais mon champ. Donc, comme je suis ton champ, voilà pourquoi tu ne veux pas me laisser. Voilà pourquoi tu es encore sur moi. Prends les éléments que je t'ai donnés là et puis fabrique quelque chose pour te mettre encore sur TikTok avec ta calebasse de mandarin, de serpent que tu as pour faire Alaka Diamant en parlant de moi, en labourant, en me labourant. D'accord? Tu me laboures et tu auras un Alaka. Chaque passant qui va passer va te donner un peu d'eau à boire. Et chaque passant, ce sont les gens qui te regardent, tes abonnés. Et quand tu as posté ton serpent en parlant de moi, parce que je suis le champ que tu laboures, TikTok, Et le monde dans lequel on est, c'est par exemple Djokwe. Et à Djokwe, tu es un champ. Et moi, je suis le champ en question. Et tu es la laboureuse. Tu laboures. Et quand tu es en sueur, tu transpires, tu es soufflé. Un passant, le passant, ce sont tes abonnés. Ils passent et puis ils te donnent de l'eau à boire. Voilà. Eh, hey, mais la femme, elle fait pitié. Oh. Elle a un serpent. C'est pas là, marche pas. Et puis, il est là. Madame, tiens un peu d'eau, tu as à boire. Eh, hey, la femme, elle souffre. Chant là, elle est grande comme ça. À quel moment elle finit de mettre un chant là? Hey, elle souffre. Ma chérie. Hey, Yako, tiens de la nourriture. Je suis ton chant. Tu l'as dit. Tu es une merde pour moi. Tu n'es pas mon chant. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, prends. Prends du tout. Et prends, comment on appelle ça? Prends ce que je t'ai montré là. Pour modifier. Et puis me te nourrir avec mon nom. Parce que je suis ton champ. D'accord? Ça te va? Sinon, le réel, ce qui est important dans ta vie, c'est de trouver une trois pièces pour ton enfant. Une chambre dans laquelle ton enfant doit dormir. De trouver une figure tardée pour ton enfant. Et de trouver un boulot. Voilà la vraie vie. Voilà ce qui est essentiel. D'accord? Et puis voir si tu peux avoir un homme qui va te faire jouer normalement. Parce que la justice, tu ne l'as jamais connu. Une femme qui joue normalement jusqu'à un homme. Quand un homme emmène une femme au septième ciel, tu n'as jamais vécu ça. C'est-à-dire qu'on t'envoie à l'extase. Tu n'as jamais vécu ça. D'accord? Il faut chercher ça un peu. Quand tu auras ça, tu seras tranquille de ta peau.
Et à ceux qui disent que non, on ne voit pas de gentils commentaires, qu'est-ce que vos gentils commentaires peuvent m'apporter en fait? Savez-vous, vous donnez de l'importance dans votre, dans ma vie, hein? Vous ne valez que dalle. Vos commentaires vont s'effacer sur TikTok. Vos commentaires restent là sur TikTok. Ça ne va jamais rentrer dans ma vie. Je ne vous lis même pas. C'est un temps. Donc, quand tu dis que oui, il n'y a pas de gentils commentaires. Tu es le Bangala? Est-ce que tes commentaires sont le Bangala du beau des beaux qui ont fait jouir? Non. Je ne comprends pas. Est-ce que ton commentaire que tu... de manger? Non. Est-ce que ton commentaire sera de l'essence pour ma voiture? Non. Débilement parlant. C'est stupide, en fait. Vous pensez que vos commentaires... Moi, je ne suis pas malheureuse. Ma mère est là, j'ai mon enfant, j'ai mes parents. Je ne vais pas sur internet pour chercher de l'amour. Voilà pourquoi je vous bats mon goût en heure de déjeuner. Voilà pourquoi je vous allume comme je veux. Parce que je ne suis pas votre amour. Même pas. Allez chez Titi, c'est elle qui est malheureuse. Allez chez Tilapia, c'est elle qui n'a pas de famille, qui a besoin des mots doux. Vos paroles d'hypocrisie, vos paroles remplies d'hypocrisie, c'est elle qui a besoin de ça. Allez la consoler. Est-ce que moi j'ai besoin de vos consolations? Est-ce que moi j'ai besoin de vos consolations? Vous êtes malade? Matin, avant de vous parler, là, ma mère m'a appelé. Le beau de vous m'a appelé. On a fait une minute au téléphone. Si j'ai envie de parler à quelqu'un, j'ai envie d'avoir des mots de consolation. J'appelle ma grande soeur. Regardez, je l'ai appelée. Regardez, vous n'êtes personne. Vous n'êtes personne en fait. Non, vos commentaires, enfin, je vous ai dit que je suis mal aimée. Eh? Pour avoir vos commentaires? Chérie, comment tu vas? Oui, je vais bien, merci. Tu m'aimes, non? Oui, j'adore. Oh là là! Oh là là! Comment tu sais? Oh là là! Oh là là! Et mon fils, comment il va? Alors, est-ce qu'il a balayé les poulets ce matin? Tu dis quoi depuis 5h du matin? Wouh! L'enfant est fort, hein? Ok. À 9h. Ah, c'est pour ça qu'il donne tout ce qu'il veut. D'accord, ok. Puisqu'il est travailleur. Ok, ma grande, c'est chérie. C'est ton salaire. Il se met à 5h du matin. Ouais! Vous faites un coucou aux abonnés de TikTok là un peu. Il faut le saluer un peu pour moi, s'il te plaît, ma grande. Attends, t'es sur TikTok? Oui, je suis TikTok. Je t'ai pas dit, je suis TikTok. Coucou, les abonnés de TikTok. Non, faut saluer les abonnés de... Faut saluer les abonnés de Titi Tilapia. C'est qui qui est Titi Tilapia, là? Tu peux pas dire Tilapia. Hein? C'est qui est Titi Tilapia? Tu peux pas dire Tilapia. La fille qui est pauvre dans... Quand t'es Saint-Denis... Ah, tu comprends Saint-Denis aussi. La fille qui élève ses pains, là. Je la connais pas. Arrête, s'il te plaît, arrête. Ah, mais... Bon, faut la saluer. Salut. Non, j'ai pas le dit ta titi, tu l'appelles un nom là. Son nom c'est quoi? Elle s'appelle Marie. Ah, Marie, bon. Je voulais dire à Marie, elle a un nom splendide. La Vierge Marie. Voilà. Alors, je souhaiterais. Qu'elle sorte des clashs, qu'elle ne t'écoute même plus, même d'ailleurs, elle ne te répond plus. Ok. Voilà. Non, elle n'a qu'à m'écouter toi aussi. Pourquoi tu fais ça? Hein? Et non, il ne faut pas t'écouter. Attends. Quand ta grand soeur est sage, vous parlez ici, n'est pas des imbéciles. Vous parlez ici, des imbéciles qui vont élever. Attends. Attends, mais elle n'est pas stupide, vous êtes stupide en fait quoi, attends. Vous êtes tellement stupide, vous ne comprenez pas que c'est le game. Ma grand-sœur n'est pas dans le virtuel comme vous en fait quoi, elle est dans sa vraie life. D'accord? Je ne suis pas élevée par des imbéciles en fait quoi. D'accord? Ah, mais ta grand-sœur, elle est sale, mais ta grand-sœur, mais merci d'apprécier ma grand-sœur. Au moins, vous savez que j'ai des bonnes figures derrière moi, c'est important. Allez, ma grand-sœur, parle s'il te plaît, mon amour. Alors, Aya, Marie. Moi, je n'ai pas dit Aya, je vais dire Marie. Oui. J'espère que tu vas bien. Tu sais, il y a des jours où on t'énerve, mais tu n'es pas obligé de répondre, ma chérie. Tu n'es pas obligé de répondre.
Mm-hmm. Moi, je t'estime bien, je t'apprécie bien. Quand ta grande soeur, il dit que tu m'as fait ça propre. Ils sont bêtes, hein. Ils sont tellement bêtes, en fait. Non, c'est pas que je t'aime bien, que ce soit, mais je souhaiterais dire à Marie, sortie de tout ce qui est... Tout ce qui est injure, ça ne l'ont pas en fait. Mm-hmm. Elle a un joli bébé pour qu'elle s'occupe de son enfant. Vraiment. Parce que moi, ça m'écœure que souvent, quand je me réveille à 4 heures pour faire ma prière, et puis je vois encore les. Quand je finis, je m'ennuie un peu, je vois encore les TikTok où l'enfant est en train de pleurer, quoi. Ça m'écœure, franchement. Mm-hmm. Ça m'écœure, mais tu ne peux pas comprendre à quel point. Mm-hmm. Marie, s'il te plaît, si tu m'entends, arrête. Donc, elle n'a qu'à laisser TikTok, elle n'a qu'à s'occuper de l'enfant, c'est ça, non? Elle n'a qu'à s'occuper du petit. D'accord. C'est-à-dire que c'est le meilleur cadeau que Dieu lui a donné, mm-hmm. en fait. Parce qu'il y a des femmes qui pleurent jour et nuit pour avoir un enfant. Mais pas pour le maltraiter comme elle le fait. Excuse-moi si j'ai dit que tu le maltraites. Non, mais c'est le thème, en fait. Mais vas-y, parle. Ce que je vois, c'est un peu compliqué, quoi, tu vois. Mm-hmm. Attends, hein. Voilà. Quand ta grand-sœur même est fan... Attends. Quand ta grand-sœur même est fan de... Vraiment stupide, en fait. Elle donne conseil. C'est le même conseil qu'elle donne en question. Si vous ne savez pas, c'est le même conseil. Vous avez compris? C'est le même conseil. Vous êtes tellement stupide que ta grosse est fan d'ailleurs. Elle n'est jamais fan d'ailleurs. Hein? Elle est fan de sa petite soeur. Non. Hein? Non, je suis pas. Attends. Qu'on laisse-la parler. C'est toi qui a mis le téléphone. Attends, grande tête. C'est toi qui a mis le téléphone. Elle va parler. Imbécile, là. Vous n'avez pas qu'elle va de famille. Les imbéciles, comment vous. C'est votre famille. Femme chienne comme vous êtes. C'est votre famille. Des idiotes comme cela. C'est votre famille. Qu'on laisse ta grosse parler. Chienne comme vous êtes. Idiote, là. Faites les commentaires là-bas encore. Imbécile, là. C'est votre famille. Sans parents. Attends. Vous n'avez pas de famille? Hein? Vous voulez dire quoi ici? Parlez de quoi? Sans grand soeur. Sans life. Comment des imbéciles comme cela? Vas-y, mon cœur. Dis-leur que je ne suis fan de personne. Mm-hmm. Personne de chez personne. Sur les réseaux sociaux, la seule personne sur les réseaux sociaux de laquelle je suis fan, c'est toi parce que tu es mon sang. J'ai compris. Voilà. Parce que tu es mon sang. Faut leur dire ça. Mm-hmm. Je ne suis pas dans leurs histoires de Facebook, réseaux sociaux qui les blaguent et autres. Là. Non. Moi, mm-hmm. je suis dans ma vraie vie et je donne des conseils ce que je peux. Mm-hmm. Parce que je suppose que Marie, c'est ma petite soeur. Mm-hmm. Donc, en plus de ça, elle est ivoirienne. Elle n'est pas dans notre game, vous voulez mélanger les choses. Ok, ma grande. Ça me cœur que le petit pleure tous les jours. Mm-hmm. Alors, je tiens à te dire de te faire plein de bisous. Merci beaucoup, grande. Arrête de provoquer Marie, oh. S'il te plaît. C'est moi la brosse. Regarde son prénom, elle s'appelle Marie. Marie. T'as pas peur de Marie? Moi-même, je m'appelle Jésus. Elle s'appelle Marie. Moi-même, je m'appelle Jésus. Arrête. Mais je m'appelle Jésus. Toi, tu me connais pas. Tu sais que... Bon, elle s'appelle Marie, non? Tu veux que même mette à terre aussi pour prier? Hein? Arrête. Non, quoi dire? Tu veux. Attends, tu veux que. Toi, mais tu sais. Parce que je connais ton affaire de Dieu. Ah, hein. Tu sais que si elle fléchit les deux pieds, c'est pas bon. Donc, on les. Combien? Tu connais pas? Oui, je connais. Ah bon? Moi, c'est la vie prophète de Dieu, hein? Ah, mais tu es quand même au courant, tu sais ça bien. Aïe. Ok, mon cœur. Donc, je salue mon enfant. Prends cette position de vous. Pour moi, je sais que t'entends. Elle est le live, elle t'a entendu. Fais plein de bisous. Mm-hmm. Fais plein de bisous à Marie. Ta soeur même te demande si tu n'as pas peur de Ayam Adama. Tu dis rien. Demande-lui, Grando. Non, je sais pas. C'est parce que, ils sont stupides, hein. Elle a peur de la personne, hein. C'est stupide, hein. Marie, le nom Marie. C'est stupide, hein. Je parle du nom Marie. Vous êtes stupide, hein. Demandez-lui. Demandez-lui, mon affaire de prière, vous dit. Faut parler avec moi, il te coupe, faut parler avec moi, on te dit. Faut les laisser. Ah bon. En tout cas. Tu sais quoi, c'est tous les abonnés là qui sont vos pires ennemis. Je te dis, ils sont vraiment stupides. Ça y est, petit, attends, il fait grand temps. Genre, vous voulez dire que ma grosse est même pas. Vous êtes stupide quand même, un peu quand même. Vous êtes vraiment stupide. Attends, elle n'a qu'à venir faire le game. Elle n'est pas dans le game, grand temps. Elle n'est pas dans le game avec nous. Moi, je fais ce qu'il faut, je finis de faire, puis je vous ai dit que je suis dans mon virtuel. Quelqu'un qui me propre, je l'allume propre. Ça, il dit ça bien. Mais quand je me reprends des restes sur cela, je suis la fille. De quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi va insulter? Insulter qui? Non. Comme tu parles bien, tu donnes conseil, donc ça veut dire que non, tu m'as mis la honte.
Pourquoi elle m'a insulté? Je l'ai appelé pour vous montrer que j'ai de la famille, que vos commentaires en question là, je n'ai rien à foutre de vos commentaires. Voilà comment j'appelle ma grande soeur. Regarde, moi je vais te donner. Vas-y, ma grande. Je vais te donner un conseil au moins, pas à toi. Hein? Je vais leur donner un conseil au moins, qu'ils arrêtent de couiller des têtes. Et Marie et Sylvia ne sont pas des ennemis. Marie et la jolie fille là, la jolie fille qui s'est mariée avec la malienne là, comment elle s'appelle, la jolie fille là. Qui s'est mariée à la malienne? Ils ne sont pas des ennemis. Elle a une femme malienne là, je sais pas, purée, la l'ivoirienne bêtée là. Ah, chose, Dia. Voilà, elles ne sont pas des ennemis, personne n'est ennemi sur la toile en fait. Mais c'est vous les abonnés, là, vous êtes des cogneurs de tête. Je te dis. Donc arrêtez un peu, arrêtez d'être stupide, s'il vous plaît. Arrêtez un peu. Voilà, quand deux personnes se disputent là, donnez-leur de bons conseils, ne prenez pas parti, ne dites pas quoi que ce soit. Regarde, moi aujourd'hui, c'est ma petite soeur qui m'a appelé. Mais je parlais bien de Marie, parce que Marie, c'est une fille qui est bien. Bah voilà, je pouvais lancer des piques à Marie. Je pouvais... Mais t'as pas à le faire en fait, t'as pas à le faire. Là, je te donne le game. Pas à le faire. Maman, je ne veux pas te mettre dedans. Non, mais pas du tout. Pas question que je me mette dedans. Voilà, donc plein de bisous à Marie. Ok. De vous. Ok, merci ma grande. Et puis prends soin de ton enfant, s'il te plaît. Sache que je t'aime et je te dirai toujours que ce soit Alpha. C'est tout. Ça me met dans ta tête. Pour toi, tu es mon Dieu sur terre même. C'est mon Dieu qui est là. Celle-là, c'est mon Dieu sur terre. Voilà. Je t'aime beaucoup, grand autre. Bisous, bisous. Tu es dans quoi? Tu es en train de faire quoi comme ça? Viens regarder. TikTok, suis-moi TikTok là. Ok, ça marche. Ok, d'accord. Ça peut vous dire que. Il n'y a pas bon commentaire. Ma famille même. Je n'ai pas appelé ma maman. Elle va me bénir encore. Et puis, elle va me bénir encore. Ça y est, ma vie n'est pas fade. Ma vie n'est pas fade. Mon enfant, là, il est avec elle. Au moins, aujourd'hui, vous voyez une petite partie de ma vie, de ma réelle vie, en fait. Elle n'est pas oubliée. Mon enfant avec elle, tranquille. C'est pas une étrangère. Mon enfant avec elle, tranquillement, tranquille. Ils sont là. Tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, ils me voient bien. Mais ils sont avec moi, ils me bénissent. OK? D'accord? Elle vient de donner conseil à une soeur ivoirienne. Et vous trouvez que non, c'est humiliation. C'est vous qui êtes stupide. Vous êtes bête, vous croyez la tête. Moi, je suis dans mon game avec Marie. Pourquoi elle venait insulter Marie pour prendre un péché? Pourquoi vous voulez qu'elle insulte Titi pour prendre péché par rapport à quoi? De quel droit? Par rapport à quoi elle a insulté? Parce qu'elle donne un conseil pour dire à Titi la paix, non, faut pas faire live à 4. Quand quelqu'un dit, ah, à 4 du matin, je t'ai vu avec ton enfant en live, que c'est pas bien, ça ne remet pas vos ménages un peu pour dire, ah, ce qu'elle vient, elle fait là, t'as bien. Elle lui a donné le conseil d'arrêter de prendre l'enfant pour faire TikTok tous les jours. C'est ce qu'elle a dit. Ouais, humiliation, ça y est, vous ne comprenez pas le français. Vous êtes stupide, en fait. Vous êtes stupide. C'est mes 7 coups-là qui vous font mal. Hein. Vous êtes stupide, en fait. Elle dit que elle n'a qu'à arrêter de prendre l'enfant. Vous ne donnez pas les bons conseils à Marseille pour souvenir à vos adrénalines en question. La fille prend son enfant, un bébé, où l'enfant doit dormir la nuit, là. Elle prend l'enfant à 4 jusqu'à, ça y est, de 23h, de 18h, jusqu'à 4h du matin, là. Elle fait live. Parce que vous, là, elle doit vous entretenir, donc elle oublie son enfant. C'est vous qui êtes méchant, en fait. C'est vous les méchants. Et on lui dit d'arrêter ça. Vous dites, c'est une émulation pour moi. Par rapport à quoi? Ouais, émulation. Parce qu'on a dit qu'Aya n'a qu'à aller avec son enfant, quoi. Qu'elle n'a qu'à arrêter de faire live à 4h du matin. Mettez vos neurones en place. Quand on te dit, ne doit pas prendre son enfant jusqu'à pour faire des lives à cause de vous. Vous avez compris? Vous êtes stupide. C'est vous qui ne l'aimez pas. Elle ne sait pas que vous ne l'aimez pas. Vous savez que c'est vous ne savez pas. D'accord? Vas-y, tranquille ici. Mon enfant avec elle, il est bien. Vous-même, où elle est? Oh, c'est là, ta grand-sœur est sage. Oh, c'est là, ta grand-sœur est bien. C'est que mon enfant est dans de bonnes mains. Dans de bonnes mains. Ok? De la même que vous dites que ma grand soeur est bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir apprécié ma grand soeur. Au moins, si vous ne m'appréciez pas, vous appréciez ma famille. Ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Au moins, mon enfant là, il est dans de bonnes mains. Il est vraiment, de la manière que dit, ah, ma grand soeur est beaucoup sage. Au moins, cela veut dire que là où mon enfant se trouve là, il est vraiment dans de bonnes mains. Tu as compris? Va chercher ton enfant, la maison du bonheur. Le jour que tu seras intégré ici en France, le mot va chercher ton enfant, tu ne vas pas l'employer.
Toi-même, viens en France, on voit. Sale chienne que tu sois. Idiote. Qu'on va chercher ton enfant. Sale chienne. Viens en France, on voit. Stupide femme. Idiote. Tu l'as pris car son père français, elle est venue en Europe par avion. Elle est venue en Europe à quel âge? Hein? C'est mon enfant qui est bien entretenu, qui ne souffre pas en France. C'est lui que m'a allé chercher. Stupide femme, la main du bonheur. Viens en Europe, on voit aussi. Quand tu as venu en Europe, là, il faut prendre mon enfant, tu le mets dans le sac et tu viens lui ici. OK? Qui a été forcé de qu'elle aime la pépette blanche de lesbienne pour passer sur l'eau pour venir en Europe. Pourtant, son père français. Toi, t'as dit quoi, son père? Ça, moi, t'avais dit que va chercher ton enfant. Baissez, mon enfant souffre en Afrique où il est. Il est avec ma grand-sœur sage. On a rien à faire. Ça protège dans ta mère, ta grand-mère qui est mise. Chienne, quand tu l'as mes dents là, on a même pour les dents. Mais les dents, hein? Les dents, c'est bien formé. Bien de la maïs. J'ai un protège, si c'est dans les dents. On dirait ma